Quel est donc le vocabulaire des tirs réussis? Le premier, c'est la boule frappée. C'est tout simple, on décide de tirer et on va toucher la boule. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le palet. Le palet, c'est le fait de toucher la boule, de propulser la boule qu'on a touchée et de rester dans une surface d'environ 40-50 cm autour de ce périmètre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le recul. Le recul, c'est le fait de bien toucher la boule et sa boule va reculer par rapport à celle qu'on aura tirée. Ça peut être un recul de côté ou un recul droit, ce qu'on appelle dans l'axe. Et enfin, le top, le plus beau tir, c'est ce qu'on appelle le carreau. Le carreau, c'est le fait de remplacer littéralement la boule qu'on aura tirée. On vient donc de voir les tirs réussis. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de monter encore d'un cran avec les tirs bonus. À bientôt les boulistes. Allez, on s'en refait une ?